L'environnement. L'environnement durable. L'environnement au sens écologique. L'environnement, un concept omniprésent, d'une grande importance et qui interpelle chaque être humain. Et attention de ne pas vous laisser berner. De nos jours, il est bien vu, voire à la mode, d'utiliser les mots développement durable ou tout autre terme écologique, et ce, à toutes les sauces, quelles qu'elles soient, économiques, commerciales ou politiques. Pour en arriver à un environnement sain et durable, votre implication est nécessaire. Regardez ce qui suit. Larry est un passionné d'électronique. Il connaît tout, du micro-ordinateur jusqu'au robot le plus sophistiqué. Ce n'est un secret pour personne. Il aime tout ce qui possède des boutons. Mais Larry n'est pas dupe. Il sait qu'un ordinateur qui fonctionne chaque jour, 24 heures sur 24, coûte entre 75 et 120 $ d'électricité par année. Alors quand Larry est terminé, il éteint. L'économie d'énergie, il en fait son affaire. De l'autre côté de la ville, Sandy décide de vendre sa voiture. Les frais d'entretien, d'assurance et d'essence, qui s'élèvent à près de 9000 $ par année, grugent ses économies. Sandy a donc commencé à se déplacer autrement. Aujourd'hui, elle prend l'autobus. En plus de coûter une fraction du prix, ce mode de transport alternatif lui permet de vaquer à d'autres occupations. Fière de son apparence, Sandy n'hésite pas, le beau temps arrivé, à sortir son vélo pour une toute autre expérience. En plus de parfaire son bronzage naturel, ses escapades en vélo lui offrent une foule d'autres avantages connexes. Comme Larry et Sandy, vous pouvez aussi effectuer ces petits gestes qui aident notre planète. Économiser l'énergie et désengorger les stationnements. Quelles nobles ambitions! Faites-en votre affaire! Si l'économie d'énergie et les transports alternatifs s'imposent comme des options intéressantes à la gestion durable, mieux vaut ne pas oublier une autre clé importante d'un comportement éco-responsable. Et j'ai nommé le principe des 3 RV. Allons voir. Le premier R passe par la réduction. Le deuxième R passe par la réutilisation et le troisième R passe par la récupération et le V pour valorisation. Et voilà. Souvenez-vous, acheter, c'est voter. Et que bien avant d'être un consommateur, vous êtes un citoyen. Recherchez les produits en vrac qui sont le moins emballés possible et encouragez les produits québécois et locaux. Souvenez-vous que chaque petit geste compte. L'impact de votre comportement face à l'environnement fait la différence.